Niveau 13. Alors, on va s'approcher de notre boîte à outils qui est là, parce qu'il y a certainement quelque chose à faire. Effectivement, j'ai un tournevis à prendre. Et je vais m'approcher de ces deux éléments, là, en bas, le casque et puis le patin. Alors, notez cet indice. Sur le casque, vous avez 13, 1, 3. Notez-le, 13. C'est le début d'un code qui va nous servir. J'ai un tournevis et je vois deux vis pour la lame du patin. Je la démonte, je prends la lame. Je vais regarder du côté des lits, je commence par celui du haut. Et là, j'aperçois une petite gourde d'eau, là, une petite bouteille d'eau, je la prends. Et je vais aller voir dessous. Je trouve une batte de hockey, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Je vois un fil ici. Je m'en approche, oui, je peux. Je prends ma lame de patin, je coupe ces fils. Je prends l'eau, je vais faire un court-circuit, je mets l'eau dessus. Ça a noirci le mur. Et là, je vois un nombre, 54. Eh bien, 54, on le met à la suite du 13 qui est sur le casque, et ça nous fait 1354, c'est un code. Un code que nous allons utiliser où? Eh bien, sur le placard du haut, ici. Donc, j'ai dit 13 pour le casque et 54 au mur. J'entre. À l'intérieur, je vois un autre code, 4822. Notez-le, 4822. Comment je vais m'en servir? Eh bien, dans un premier temps, je m'approche de cette petite vitrine. À l'intérieur, j'ai un palet. Je prends la crosse, voilà, la crosse de hockey. Je casse la vitrine et je prends le palet. Ici, sur la droite, j'ai un coffre. Je m'en approche. Je vois que j'ai une empreinte circulaire comme le palet. Je mets en place mon palet. On me demande un code à 4 chiffres. Quand j'ai ouvert le placard, j'ai trouvé un code qui est 4822. Eh bien, je vais indiquer ici 4822. Là, le coffre s'ouvre à l'intérieur. Bien sûr, j'ai ma carte magnétique et je la mets en place sans tarder, ce qui me permet de passer au niveau 14.